Cet homme est une bête. Il abuse de sa fille tous les jours et lui caresse le dos, même lorsqu'elle est sous la douche. Il n'a pas évité d'elle. Sachant qu'elle a grandi, l'homme l'avertit même de ne plus jamais quitter la maison et de ne plus jamais avoir de contact avec une personne du sexe opposé. Lorsque sa fille se changeait, il se tenait dans l'embrasure de la porte et jetait un coup d'œil. Lorsque sa femme l'a découvert, elle s'est précipitée pour l'en empêcher. She's your own daughter. Voyant sa femme la contredit, l'homme s'est mis en colère et l'a giflé. Personne ici n'ose le remettre en question. En tant que pasteur, ses paroles sont la volonté de Dieu. Lina ne pouvait que regarder depuis l'intérieur de la maison. La nuit, son père, pas encore satisfait, emmenait sa mère dans l'entrepôt et la fouettait sévèrement. La mère souffrait en silence, n'osant pas résister. Lina l'a encore vue. Elle ne savait pas combien de temps encore ils allaient devoir souffrir. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'en guise de punition, le lendemain, son père a fabriqué sur mesure un appareil de torture spécial pour sa mère et y a ajouté une solide entrave. Quand la fille l'a vue, elle n'a pas pu s'en empêcher.